Ouais. On se rapproche dans le loft. Une collaboration de TAG. Vous avez été prévenus. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Love Story. Ce soir, voyons Maxime qui a été troublé par un grand dilemme que le propriétaire lui a présenté. Je suis obligé de leur mentir, c'est ça qui me fait vraiment de la peine. Ben, gars, ça a l'air, c'est un jeu, puis on va embarquer dedans. Là. Suivez la vie de 13 célibataires, 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Visiblement, les lofteurs ont vraiment du plaisir à cohabiter ensemble. Et d'ailleurs, le propriétaire du loft a lancé un défi au hasard à un des lofteurs. Je demande à un gars de monter au confessionnal. Mathieu, voici ta mission. Tu ne dois le dire à personne. OK. Au cours de la prochaine heure, OK. Tu devras embrasser toutes les filles du loft. Good! Ça a bouche ou... Si tu échoues... Bah, tout le temps à moi que les... Ouais. Vous aurez 100 $ de moins dans votre épicerie cette semaine. On a déjà pas de bouffe, là. Mais attends, si on sait qu'il pense bien, quoi, on aura pas de... Mais si tu réussis... Ouais? Vous obtiendrez 100 $ de plus en nourriture dès aujourd'hui. Mathieu? Oui? Prends ton temps. Sois subtil. Ouais. Mais surtout, sois romantique. Good! Questo di far finta che non ti sto dicendo niente, di far finta che ci sto provando. Devo praticamente dare un bacio. Adesso devo fare. Perché? Adesso fai finta che ci sto provando. Aspetta, devi baciare le sei ragazze? Sì, in un'ora. La camera? Mm-hmm. Sì, va bene. Elisabetta, Mathieu, non è possibile parlare italiano. Capiscono tutto, tutte le cose che voi dite. Tu as de la difficulté avec les règles du jeu? Non, non, mais c'est parce que là, maintenant, il faut être réaliste. Là. C'est parce que je peux pas toutes les appeler dans la chambre. Je peux pas faire ça devant toutes les filles. Devant toutes les filles, ils vont s'en rendre compte. Ils vont dire qu'est-ce qu'il fait là. Je vais descendre en bas, puis je vais les aligner les six, tac, 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 puis posez pas de questions, là. Ouais, regarde, moi, oublie ça, là, je déclare forfait là, drette là, c'est impossible ton affaire, c'est juste impossible. Si tu veux, je n'ai pas voir la personne, appelle un autre gars, là, j'ai juste hâte de voir comment il va se débrouiller, c'est juste impossible. Ils sont pas connes non plus, là. Fait que, moi, là... Finito, merci, bonsoir. Elisabetta a toujours un pouvoir de séduction considérable auprès des hommes du loft. Même qu'aujourd'hui, Alexandre a accepté de devenir son esclave. Oh non, mais les jeans, ils vont dans le deuxième tiroir. C'est là-dedans, ça? Non, deuxième en bas. À partir d'en bas. Nu? Ouais. Ah oh, non, excuse-moi, en bas. Je commence à percevoir de lui des qualités que je trouve intéressantes, comme ce matin, quand il m'a fait les yeux, puis j'étais surprise de savoir que cuisiner, c'est une de ses passions. Je trouve ça bien, je trouve ça intéressant. Dans ma tête, à moi, un homme soumis, c'est pas winner, là, mais... Puis ça, c'est dans le deuxième. Je suis king, faire un lit. Il fait un très beau travail. Ben là, j'attends, j'espère qu'elle me dira pas de faire son ménage, puis de brosser ses dents, puis de ronger les ongles. Allez, c'est fait. OK, c'est bon ça. Merci. Merci. Je suis comme genre obligé de répondre aux quatre volontés d'Elisabetta.
à la suite d'un pari perdu hier. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est même lui qui l'a proposé. Je suis en train de jouer au labyrinthe, mettons. Puis elle me lance un petit défi, genre, je suis même pas capable de te rendre à 20. Je suis attaqué. Mais finalement, il n'est pas fini. Puis elle retrouve à être à quatre pattes après elle, quasiment. Puis il a offert d'être mon esclave pour la journée d'aujourd'hui. Non, en fait, celle-là, je veux l'autre. Ben, c'est elle, tu vas avoir celle que je veux. Non, mais donne-en un autre. Oui, mais c'est pas... Je suis pas comme ça en couple. Je sais pas s'il y a certains qui vont penser ça. C'est un jeu. Donc, je joue le jeu. Toute une séductrice, notre Elisabetta. Distributel vous invite à voter pour votre lofteur préféré. Si vous voulez garder Benoît dans Loft, vous composez le 1-900-630-LOFT et vous sélectionnez le 1. Si vous voulez garder Steve, vous sélectionnez le 2. Également, vous pouvez voter via notre site Internet, lovestory.tqs.ca. Et c'est aussi là que vous pouvez voir et entendre tous nos lofteurs 24 heures sur 24. Love Story. Nos lofteurs ont plein de discussions dans Love sur des sujets aussi différents que variés. Et aujourd'hui, ils ont décidé de se révéler la signification de leur tatouage. C'est deux ailes. Avec deux yeux dans le milieu. Le pourquoi, c'est... Je m'en allais me faire un Joker sur le mollet, puis je suis sorti de là avec un tribal dans le dos. C'est vraiment ça. Je l'ai fait, ça fait deux ans. Pourquoi est-ce que c'est ça? J'en ai aucune idée. Je voulais un soleil. Le tatou est pas terminé. L'idée du départ, c'était comme de rassembler tous les éléments de la Terre, là. L'eau, le feu, l'air, la Terre. Puis... Il m'en manque un, est-ce que peut-être quelqu'un veut le feu, le feu. Puis le reste du tatou, ben, il y a des flammes, mais il est pas terminé, là. Il y a des flammes qui partent sur le dessus. Puis ici, tout le tour du soleil, il y a des nuages. Puis il y a de la terre là, avec comme des, il y a de la neige un peu. Puis il fait le tour du bois, mais il a jamais été terminé. Ça fait deux ans que je l'ai, deux ans et demi. Je l'ai eu quand j'avais 18 ans. Je m'en allais acheter une pinte de lait, je pense. C'est amour en japonais. À ne pas confondre avec chinois. Ensuite, en dessous, c'est marqué chaos, avec un K et non pas CH parce que je voulais être différent. Ensuite, alors l'amour, c'est le carreau, c'est l'amour, c'est la vie, c'est l'amour, ma vie, c'est le chaos, ma vie, c'est l'amour. Vous voulez autre chose? Moi, j'ai une petite ange. C'est ça, tout le monde, j'ai un tribal, avec mon chérubin. Ben moi, dans le fond, ma signification, c'est pas tant à l'ange, mais ça faisait longtemps que je voulais me faire quelque chose par rapport à la chanson. Je me suis dit, un ange, c'est un petit ange gardien, tout ça. Moi, je crois à ça, ces affaires-là, qu'on a tout un et vice-versa. Puis c'était vraiment un coup de tête que j'ai fait ça. Mais je le regrette pas, je le trouve super beau. Puis le tatoueur, s'il me regarde, il doit pas m'aimer, parce que je disais, fais ça, les pieds plus hauts, je veux comme ça, les ailes de même, j'étais plus capable. Moi, c'est un tribal avec deux lettres chinoises qui veut dire « paix intérieure ». Je me l'ai fait faire il y a 6 ans, à peu près. Bonjour. Pardon. Moi aussi, c'est moi qui l'ai dessiné. C'est quand j'ai perdu... C'est quand j'ai perdu ma mère. J'avais perdu mon père quand j'étais jeune. Puis pour moi, les fleurs, c'est une des plus belles choses qu'il y a eu. C'est plein de couleurs, c'est plein de différences, c'est plein de vie. Puis aussi, les vagues, ça représente aussi le rêve. C'est une vague qui ramasse les fleurs, parce que chaque belle chose peut finir en un instant, en le temps d'une vague. Tu sais, ma mère était pas capable, à un moment donné, de se lever de son lit d'hôpital, puis aller toute seule aux toilettes. OK. Fallait que je l'aide. Si tu savais comment ça m'en a demandé, là. C'est ta mère, là. C'est elle qui t'a mis au monde, là. Moi, ça, toi, je sais pas comment ça s'est passé, mais moi, c'était vraiment... Ça s'est étalé sur vraiment long, là. OK, bon, moi, c'était 7 mois, je pense. 9 mois. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle est tombée sans connaissance au restaurant. OK. Il l'amène à l'hôpital. Rendu à l'hôpital, il la garde 3 jours. Ouais. Il découvre qu'elle a un cancer du cerveau. Aïe, aïe. Puis que ça a fait comme une pression, puis elle a tombé en épilepsie. Puis elle avait le cancer du cerveau des poumons, de la colonne vertébrale. C'est des souvenirs assez durs. Mais si... pas trop t'en demander non plus, mais ton père, il a décidé de quoi? Il a décidé d'un accident d'auto. OK. Il est allé... un soir, il est parti jouer au hockey.
C'était la dernière game avant Noël. OK. C'était le 23 décembre. OK. T'es allé jouer au hockey, puis en revenant, il était porté quelqu'un. Puis il est mort, je pense, à 3 km de chez nous. Il s'est endormi, il a pogné le fossette, puis il est mort là. Aïe, aïe. Fait que Noël, moi, ça veut rien dire. Hein? Noël, ça veut rien dire. Après la pause, Maxime est confronté à un choix déchirant. Je suis obligé de leur mentir, c'est ça qui me fait vraiment de la peine. Nos lofters sont beaux, musclés, bronzés. Bref, je pense que vous allez être d'accord avec moi en voyant les images qui suivent. Les lofters ont dû relever un défi assez difficile dans le jardin, mais finalement, c'est Maxime qui a été le plus astucieux du groupe. Cher lofter, non. Je dois vous affirmer que j'ai caché un sou noir, le garçon. Le premier lofter qui trouve le sou pourra bénéficier d'un grand privilège. Tantôt, là, quand je suis arrivé, là, j'ai tassé le pot. Le pot ici était d'un jonc pour la table de pot. OK? Il est peut-être là, puis je l'ai ramassé, puis je l'ai laissé chercher depuis tantôt, puis ici depuis tantôt. Ah, c'est mon nez. C'est quoi que t'on dit? C'est quoi? Tu vas leur dire ton secret, puis reviens nous voir. Ben, vas-y, là, on t'attend. On t'attend. Je t'invite à prendre le jeton et à le déposer dans le tiroir et à prendre l'objet qui s'y trouve. Parfait. Tu as gagné ce soir le privilège d'être invité dans ma chambre des maîtres. Tu pourras inviter une personne de ton choix pour t'accompagner dans cette chambre. C'est la clé de quoi, ça? C'est la chambre des maîtres. Tu dois inviter une personne. Ah, oh, c'est une chambre en haut à côté. Bon, sale. Tu dois pas sérieux. Hey, ce soir. Bon. Il faut que j'amène une personne. Il y a le balcon, hein. J'amène une personne avec moi, puis j'ai juste mon tête chouette. Non, mais ça, c'est quoi? Attends, êtes-vous fâché après moi, parce que je vous ai fait de l'enquête? Non, laisse-moi que tu te sens mal, maintenant. Ouais, je me sens mal. Hé, va-t'en, il s'arrête. On a du sac à le passe. Tu as une chance. Isabelle, elle t'a quand même donné un voyage. Ouais, c'est ça. Mais je me sens mal, là, à cause de ce passe-là, là. Il y a personne qui l'a trouvé à scène, là. C'est comme c'est moi qui ai pensé de faire... Il y a pas de sous, là. Tout le monde cherche pour rien. Je vais aller en chercher un, là. Puis c'est ça qui... Je suis obligé de leur mentir. C'est ça qui me fait vraiment de la peine, là.
Au début, c'était pour rire. Finalement, Maxime s'est fait un peu prendre à son propre jeu. Et là, on se demande, est-ce qu'il va pouvoir garder sa conscience tranquille avec cette tricherie? Eh bien, c'est ce que vous saurez un peu plus tard. Pour tout de suite, Distributel vous invite à voter pour votre lofteur préféré. Si vous voulez garder dans le loft Benoît, vous composez le 1-900-630-LOFT et vous sélectionnez le 1. Si vous voulez garder Steve, vous sélectionnez le 2. Également, on a un site Internet, lovestory.tqs.ca, et c'est là que vous pouvez voir vivre nos lofteurs 24 heures sur 24 en direct. Love Story. Tu as gagné ce soir le privilège d'être invité dans ma chambre des maîtres. Je suis obligé de leur mentir, c'est ça qui me fait vraiment de la peine. Ben, gars, ça a l'air, c'est un jeu, puis on va embarquer dedans, là. La personne que j'ai choisie pour ce soir, je me justifie aucunement, mais j'ai choisi Lisa. Oh, c'est bien fun. Pas du sérieux. À 10h ce soir, vous aurez rendez-vous devant la grande porte, tout au haut de l'escalier. Ah, et là, je suis pas crémeux, rien, s'il vous plaît, là. Juste le temps d'aller dans la douche. C'est ça, la chambre des maîtres, hein? C'est long, mais beau. Hey, champagne, comment? On est parti. Cool, ça. Hey, c'est donc bien beau! J'ai eu une belle soirée hier, c'est super le fun. Quand on a jasé en masse, puis j'apprends à connaître, puis c'est ça mon but. Voir du fun, puis apprendre à connaître les autres. Ah! Tu dis à Julien, j'ai un soir, je vais passer une soirée le fun. Puis ils ont super le fun, puis bien, je vais passer une soirée avec. Elle parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils m'ont dit, mettons, genre, tu sais, d'être obligé. Pas en tout. En tout cas, on a vraiment tous des tempéraments. Oh, gna gna gna. Physiquement, c'est mon genre de fille. Les deux, on jase, puis tu sais, on... Les deux, on est comme... Oh, il y a même une petite complicité, puis c'est comme ça le fun, hein? Fait que, mettons, là, on se rencontre dans un bar, OK? Ah, j'aime ça, oui, mes incitations. OK, vas-y. On se rencontre dans un bar, puis tu me donnes ton numéro, puis je t'invite à souper. Puis on passe une soirée comme ça ici. Est-ce que tu as envie de rappeler ou t'as pas envie? Ben oui. Ouais? Ben oui. OK, quoi, c'est un 9.6.5? On est rendu à 9.8. 9.8? Tu donnes souvent les 9.8? Tu es malade, toi. On est tout le temps à 4 et moins. C'est bon, là. Tu devrais être contente. Exactement. Les hommes m'ont donné 9.8, là, sans... en business. Tu peux te la péter un peu. Je peux me la péter un peu. Salut, mon loup. Dors bien. Maintenant, comment se termine la fameuse mission de Mathieu qui, décidément, a vraiment trop de problèmes à relever les défis qu'on lui propose. Bye tout le monde, à demain. Tout à l'heure, j'ai de... C'est ça qui me met plus dans la cuisine. Moi, j'espère vraiment que ma mère ne me regarde pas. Qu'est-ce que tu manges? Sur Internet, ben... Du thon et de la mayo? Ouais, tu sais. J'ai hâte de voir les montages qu'ils vont faire. Ça va être comique, là. Ouais, ouais, bon. Je suis certaine. Toi, c'est sûr que t'es la pie, là. T'es la pie, là, c'est sûr et certain. En autant que je parle bitch, là. Ben ça non, ben non. Ben, quelqu'un qui parle tout le temps, puis qui parle tout le temps devant tout le monde, c'est pas la bitch, c'est la pie. Là. Toi, puis GF, là. Oh. Ah non, t'es une petite pie, mais c'est correct, là. Alors, je te le fais. Puis pire, là, c'est que je suis même, mais pas tout le temps. Moi, je me parle. Là, je me dis, arrête de te parler tout seul, là. Ben, j'imagine, là. Appelez-moi, je ne trouve pas. Tu te parles tout le temps. Mais vraiment, bien, hein? Cool, hein? Ça, j'ai dit que c'était une vraie pie. Eh ouais, elle, c'est une pie. C'est une pie. Love Story vous a été présenté par TAG. Vous avez été prévenus.